Et voilà, comme prévu, je te montre tout ce que je prends. Alors d'abord le magnésium, 500 mg. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a marqué? Voilà. Voilà. Après le potassium, potassium citrate, 99 mg. Et je passe derrière. Voilà. Zinc, picolinate, 50 mg. Et je te montre derrière pour voir s'il y a plusieurs tablettes à prendre. Le sélénium, la marque c'est Caril, bon, je te le dis pas chaque fois puisque tu sais lire. Et là, c'est une tablette. Le collagène, on a 3 grammes, et voilà. J'enlève ça. Est-ce que c'est fait? Et je continue. Alors, odorless garlic, 3600 mg. Et voilà, je vois pas combien il y a. Bon. Après, le complexe vitamine B avec la vitamine C. Et voilà ce qu'il y a dedans. Apple cider vinegar, ben j'avais arrêté. Alors, je ne sais pas, je te mets quand même parce que je te mets absolument tout ce que je prenais. La quercétine, 500 mg. Alors, il y a différentes boîtes. Celle-ci, c'est. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ça, c'est un autre complexe de vitamine B. Le lycopène, 50 mg, avec ceci. Red Mineral Algae. Alors, voilà. Alors, tout ceci vient de chez Amazon, c'est pas compliqué. Quercétine avec de la bromélaïne. Deux veggies, voilà, serving, quercétine 800 mg, bromélaïne 165 mg. Les oméga 7, j'avais lu quelque chose, bon, je les ai pas pris vraiment régulièrement. Je ne sais pas vraiment s'il y avait un intérêt ou pas. La vitamine B2, riboflavine. Encore une autre vitamine B2. Bon, mais c'est la même chose. Joint support, 1500 mg de glucosamine et 1200 de chondroïtine. J'en prenais pas mal quand j'avais mes douleurs articulaires. Et est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est mon baking soda? Je ne sais pas. Voilà, pour digérer un peu mieux, je ne sais pas trop ce que c'était. Voilà, supplément fact. Voilà. Tu peux bien sûr arrêter la vidéo à chaque moment pour voir un peu mieux. Graviola, 2000 mg.
Le CoQ10, 100 mg. Excuse-moi, la tremblote. La vitamine B12, méthylcobalamine. La quercétine, encore un autre de quercétine, mais 1000 mg cette fois-ci. Alors ça, c'était un ail, mais bon, après, je ne l'ai plus acheté, il y en a encore un peu. Il n'y a que 1000 mg, et après, j'ai acheté, j'ai trouvé du 3600. Voilà, quel est meilleur, j'en sais rien. La vitamine K2, bien sûr, vitamine K2. Et... Oh là là. Pao Pereira. Jaugulane. Ma spiruline. 3 capsules. Echinacea. Mon système immunitaire, 1300 mg. Citicoline. Prostate support. J'ai pas été très régulier là-dessus. La vitamine A, que j'ai pratiquement arrêtée, je ne sais pas si c'est bien ou pas, parce que j'avais lu que ça pouvait booster le cancer. Bien sûr, mon Neuronephrex. De Ferrer, comme c'est dit, de 150 mg. Je prends une pilule des fois deux par jour. La vitamine B6 que je prends pour améliorer aussi mes ongles blancs. Les ongles qui sont devenus blancs, et je prends malgré tout le complexe, et je prends malgré tout la B12, et je prends malgré tout la B3. Je prends ceci aussi, un probiotique Acidophilus. Maintenant, je change de côté parce qu'il y en a encore de l'autre côté. Inositol, 1000 mg. Voilà, alors ceux-là, ils sont là parce que je ne me rappelais plus à quoi ça sert. J'ai du kelp, là aussi, je ne me rappelais plus à quoi ça sert, alors j'avais arrêté.
La B12, bon, j'en ai plusieurs boîtes et tu les as déjà vues, je crois. Après, Sopalmetto. Ça, c'est les boîtes vides. Red Mineral Algae, tu as déjà vu. La DHA 500. J'en prends entre une et deux par jour. Le ginger, voilà. Bon, depuis, j'ai mieux hein, avec ce que tu me fais acheter. L'aloe vera, je ne sais pas si je te l'ai déjà montré, mais de toute façon, s'il y en a, si je t'ai déjà montré, ce serait une autre marque que j'avais avant. Le brocoli sprout extract. Le Chanka Piedra. Le CoQ10, t'as déjà vu. La vitamine C, déjà vu. Oil of Oregano. Ouais, j'en ai plus. Ah si, il en restait une, tiens. Ah non, il y en a encore quelques-unes qui étaient collées au fond. La niacinamide. La niacinamide que j'ai remplacée par la nicotinamide. Et celle-là, c'est la même chose que la niacine sans le flash. L'artésiminine que je prends séparément. Tu le sais, et voilà ce qu'il y a dedans. Où est-ce que c'est marqué? Voilà, je prends 10 tablettes par jour pendant 2 jours. Lactobacillus gasseri, donc ça j'en ai plus et j'ai remplacé par l'autre que je t'ai déjà montré là dans la grande bouteille. Après j'avais Boswellia. Après, la vitamine C, bon, ben ça, j'ai fait. H. pylori fight, au cas où. Lactoférine, 500 mg, 300 mg. Ça, je crois que c'est toi qui m'avais dit d'acheter, je crois. Le Moringa 3000 mg. Encore de l'ail, bon, ça c'était une autre marque avec 2000 mg. Garcinia Cambogia, bien sûr. La vitamine B1 que je prenais en plus. Oh là là, qu'est-ce que je trempe ce matin? Ginger root. La berbérine, bien évidemment. La mélatonine, c'est la bonne, celle-là, celle qui a moins de saloperies dedans. Encore de l'ail. Garlic, cette fois-ci, ça s'appelle. Voilà. Et du potassium qui n'est pas à sa place. Et ça, MSM. MSM. Je ne sais plus du tout à quoi ça sert. Voilà. Voilà, mais tu vois, là aussi, pourquoi j'ai arrêté? Hypromélocellulose capsule,
Stéric acide, végétable, bon, enfin, je sais pas. Voilà. Bon. Ça, c'en est qu'une partie. Il y a deux autres films qui vont suivre. Ce que tu m'as acheté et ce que j'ai dans mon frigo et ce que j'ai acheté pour emmener au Canada, en espérant que j'ai tout mis, que c'est complet. Ah oui, voilà le bleu de méthylène que je prenais à l'époque. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était du poison ou pas, mais c'était le seul. J'avais trouvé 20 grammes méthylène blue tri. Hydrate practical grade. Alors voilà. Il est encore fermé. J'en avais consommé un et l'autre j'ai jamais touché. Voilà. Je t'envoie la suite.